tête du bois. Oui, tu l'auras, ta croix de ta croix. Oui, tu l'auras, ta croix de ta croix. Si c'est pas la croix de guerre, c'est que ça sera la croix de bois. Mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous remercie de votre accueil. Je vous le reporte, je le reporte sur vous tous. Autrement dit, l'affection croise-feu veut bien aller vers moi, va vers ce que représente le mouvement croise-feu. Aussi profondément sincère de cette hymne à l'espoir, à la joie, à l'honneur. S'est endormi. Pour certains, les dix étaient éteints. Pour nos ennemis, les croyaient à jamais mortes. Les qualités et les vertus les plus nobles de notre race. Toutes celles, aux époques les plus critiques et les plus angoissantes de notre histoire. Alors que l'existence même de la patrie semblait irrémédiablement compromise, on sut chaque fois réaliser le miracle d'assurer son salut, d'augmenter ses trésors de gloire et de répandre plus largement son rayonnement dans le monde, en même temps que le sentiment de sa force accrue et de son génie plus anobli. Ce miracle, qui
dès la première heure, dans un élan unanime de fraternité et de confiance, à rapprocher tous les Français divisés, la veille, par des dissensions, dont beaucoup espérons-le, ne renaissant pas après la guerre, se renouveler tous les jours, depuis que celle-ci a commencé, et que le barbare souille notre sol. Je suis avec fierté dans la défense du travail, de la famille, de la cité, des frontières contre le marxisme sacrilège et dévastateur. Je désigne, en dépit des campagnes de haine, comme l'apôtre rayonnant de la réconciliation française, comme le défenseur incontesté des trois couleurs pour lesquelles il sacrifie, dédaigneux du danger, son repos et sa vie familiale, jure solennellement de le suivre dans la discipline et l'affection, de le défendre inébranlablement si on attendait à sa liberté comme appel de son parti. Geste croix de feu ramènera la France à sa tradition, l'entraînera vers le progrès humain, la restituera vivante et rajeunie au peuple de chez nous. Celui-ci, on ne saurait niveler vers le bas sans le jeter dans la décadence, ne retrouvera l'expression de son génie que par un effort constant pour égaliser ses enfants vers les sommets de l'âme, de l'esprit, de la fraternité sociale. Ainsi, notre pays a-t-il rendu à ses destins. Nous voulons la France française. J'ai l'habitude des assemblées, je vois une flamme qui ne trompe pas. Ta flamme, cette flamme, c'est l'élan, le don de soi, la confiance, celle qui, à la place des deux enfants que vous pleurez, vous apporte tous ces jeunes hommes de France et dont ils veulent transférer au cœur de notre cœur que nous savons continuer.
pas. Le coup soit fait, l'haleine fétide de la trahison. À notre grandeur de chrétien, j'avais trouvé la force de partir. Nous ne pardonnons pas.
l'autre les accords perdus, jaillit de la croix. Attentifs à mes appels, ouvrez vos bras aux enfants qui ne sont pas encore des autres. Pas un puissant de ce monde anarchique, égoïste et domestiqué ne peut se targuer d'avoir financé et influencé nos entreprises. Vous êtes vos propres commanditaires, vos uniques protecteurs. Vous êtes qualifiés par le commandement de nos morts victorieux, nourris par la tradition de 15 siècles d'honneur et de générosité, riche d'audace à tous les progrès humains. Votre lutte, il est du triomphe de l'organisation, de la vigueur et de la pureté. Amènerez la concorde, vous assurerez la paix, et puis triomphant du drapeau tricolore, je vous souhaite Rome. Nous ont envahi plus de 20 fois. 20 fois depuis la Révolution. Cela, pour nous, le devoir essentiel, commandement de la patrie. Rester unis, mieux connaître l'Allemagne, faire mieux connaître la France, ne plus oublier. Écoutons la voix des tranchées et des morts. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Jamais la famille française n'a été plus dure. Les Français suivaient de chemins différents. Ils se sont rejoints dans nos familles. Même du mouvement,
peine et arrive. Les héros qui affrontent la mort passent avant de s'éteindre leur vie lors de rêve en avignon mortel. Et l'ennemi ne comprend pas ce que tu nous déchirais et ce que tu nous dis la passion de toi. Jamais, même au pire heure, on n'a senti la mort présente comme aujourd'hui.
être obligé de voir cela, garder pour toujours dans ta mémoire, dans